Bonjour tout le monde, bienvenue, vous êtes sur IvaSound Studio. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Le dispositif est différent par rapport à d'habitude, la configuration, etc. Vous le voyez, je suis debout. Et c'est ce que je voulais faire depuis un moment sur Mario Golf à la fin de la saison dernière. Donc cette fois-ci, ça va être du Mario Golf, non pas à la manette classique, mais du Mario Golf avec les mouvements, donc directement à le Joy-Con. Donc je vais m'amuser à faire du golf plus ou moins en vrai, plus ou moins pour de faux, mais en mode simulation. Donc ça va être du golf simulator en fait. J'espère que les réglages sont bons. Je vois que ça a l'air d'être pas mal sur le logiciel. Et il y a aussi une raison à ça de faire ça comme ça, c'est parce que demain matin, nouveauté du vrai sport et du jeu vidéo avec Ring Fit Adventure. Et ça va être pour ma pomme. Et ça sera à peu près pareil. Je ne sais pas si l'angle de la caméra sera pareil ou pas. On va voir comment ça se passe. Mais en attendant, la caméra est un peu plus bougée. Le câble est beaucoup plus tiré aussi au passage. Et le micro, c'est pas le même non plus. Du coup, il est sur moi. Je ne sais pas s'il se voit, il est là. Ici, là, donc micro-cravate Lavalier, comment on appelle ça. J'espère que c'est bon. En tout cas, sur la barre de son visuelle que j'ai là, sur le retour, ça a l'air pas mal. Donc là, pour vous dire, j'ai Streamlabs OBS. Là, je vous vois si jamais vous réagissez avec le chat. J'espère que ça va bien se passer. Je vous le dis de suite, on va pas faire 2 heures de golf, surtout que c'est du mouvement. Donc je suis pas très sportif de base. Voilà, donc si on en a pour une heure et quart, quelque chose comme ça, c'est déjà pas mal. Pour commencer, on va aller tranquillement avec match libre et pas en ligne, parce que sinon ça va être une catastrophe. Autant prendre un peu quelques bases avec les mouvements. Je les ai jamais fait, on va découvrir ça ensemble. Donc mouvement, une manette, un Joy-Con. Oui, bon, ça, c'est les trucs habituels. On réappuie sur les boutons. Voilà. Non, on va y aller en vrai mode classique, en fait. Ah, c'est directement, on en retourne le Joy-Con, d'accord. En simultané, pour aller plus vite. 4 joueurs, oui, c'est très bien. Oui, pardon, j'ai oublié de vous dire. Nouveau personnage Toadette, ah bah tiens, on va la prendre. Nouveau personnage Toadette, et il y a un nouveau parcours aussi, New Donk City. On va y jeter un oeil juste après. Mais d'abord, avec Toadette. Et après, les autres en aléatoire, on s'en fiche. On va y aller tranquillement. Bah, New Donk City, il est affiché à l'écran juste au-dessus de ma caméra. En parcours novice, en 3 trous, c'est très bien. Et on va y aller en mode YOLO, allez. Un peu en mode YOLO, va. Sera tranquille, ce sera beaucoup mieux pour vous, pas pour moi. Je vais essayer de pas me prendre le bureau au passage, tac, sinon je vais avoir bobo. J'ai pas envie de me blesser, ce serait drôle mais pas pour moi. Bon, comment ça fonctionne? Bon, j'ai cru comprendre que c'était quelque chose comme ça. Vous voyez là, je vais me mettre par là, tiens. Oh là, la sensibilité, c'est pas... C'est bizarre, hein. Attendez, je vais me mettre là, tiens. Je vais me mettre par là, là. Tac. Voilà. Alors, comment on fait? Ok. Je sais pas ce que ça donne, on va voir. Hein. Ça va, c'est un tir correct pour un premier tir, en vrai. Sans déconner. Il y a un peu de vent, quand même. Hop là, un peu sur la gauche. Je veux tirer en fait. J'ai pas mis la dragonne comme c'était indiqué. Donc si le Joy-Con vole, c'est normal. En même temps, je ne sais plus du tout où sont mes dragons. Ah, j'y arrive pas. Ah voilà. Un peu trop fort peut-être. Ah non, même pas. Pas assez fort. Ah ben comme quoi. Ah oui, le dosage, il est vraiment pas pareil par rapport à... Au tir classique. Hein. Oh, dommage. Là, c'était trop fort.
Ah oui, ça n'a rien à voir, j'ai l'impression de pas jouer au même jeu, quoi. Allez, on y croit. Tac. Trop fort aussi. Oh là là, mais ce dosage, c'est une horreur. Hein. C'est une horreur. Ah, punaise. Mais... Je crois que je suis pas fait pour le golf, en fait. Mais j'y arrive pas. Sérieux. Je vais essayer de me concentrer, mais même en me concentrant, je pense que ça va être bizarre. Raté. Ah ben là, j'arrive même plus à tirer, génial. C'est pas mal ça. J'ai eu un doute si on pouvait rater celui-là. Vraiment, j'ai eu un doute. Bon, j'ai mis 9 coups à la manette, je pense que j'en aurais mis 3 ou 4. C'est bizarre. Hein. Attention. Les mouvements comme ça, je vous le dis, c'est bizarre. Il est où le truc? Oh, mais je vais me prendre l'arbre là. On va viser de ce côté. Hein. Bébé! Suspense. Trop fort ou pas trop fort? Je sais pas du tout là. Ça va. C'est même dans l'axe en fait. Il y a un peu de vent. Tac. Pas assez fort. C'est vraiment pas assez fort là par contre. Et là, c'est comment? C'est pas mal. Mais il faut pas le rater. Alors, comment on va faire là? Mais normalement, là, c'est bon, ça passe tout seul. Attendez. Tac. Voilà. Combien? 4 coups partout? Bon, on est tous à égalité, mais vu le trou d'avant, je suis un peu en retard, en fait. Ah, mais il y a Luigi en tête, mais les autres sont aussi nuls que moi. D'accord. Bon, ça va alors. Mais c'est des IA en même temps, donc ça n'aide pas. Alors attendez, il y a du vent. On va puis viser par là. Un grand coup sec. Je sais pas si ça change grand chose en vrai. Vu leur tir à eux. Un peu de vent aussi. Peut-être un peu moins fort. Ouais. C'est pas mal. Voilà. Et Yoshi, il est bon, hein. Bon, résultat. Bah oui, évidemment que c'est Yoshi qui gagne. C'est étonnant que les autres soient égalité avec moi, parce que le premier trou, je l'ai fait... J'ai été hyper mauvais dessus, quoi. Bon, on va aller au menu principal cette fois-ci. Ah oui, il faut rechanger le sens du Joy-Con, c'est vrai. Ça, c'est embêtant sur la Switch. À chaque fois de changer le truc du Joy-Con, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on va faire? Je voudrais aller sur le nouveau... comment ça s'appelle? Le nouveau parcours. Donc... Non, ça non, parce que ça, avec les mouvements, c'est pas top. En golf standard, toujours avec... Attendez, juste par curiosité. On peut faire du speed golf en mouvement? Ouais. On va rester en standard, je préfère. Toujours une manette. 1 minute. Comment est-ce qu'on peut, jouer? Ah non, mais ça, c'est parce que c'est le nombre de joueurs. Ok, j'ai rien dit. Je me demandais comment est-ce qu'on pouvait jouer à 2 manettes en mouvement en fait. Mais j'ai rien dit en fait, c'est moi qui sais pas réfléchir. Tac. Allez, on rechange le sens de la manette, encore. Quand tu veux.
Match normal, tour à tour, non, en même temps. Alors, oh là. Tac. Voilà, en simultané. 4 joueurs. Je vais reprendre Toadette, elle est rigolote. Si j'y arrive. Et on va aller sur New Donk City. J'ai mis combien de trous? Attendez. Je sais plus. Ah, c'est là. Ah oui, mais c'est vraiment la map de New Donk City de Mario Odyssey, en fait. Ils ont quasiment tout pris. Il manque un petit bout, mais... c'est... Ouais, ouais. Oh, punaise, ils sont pas embêtés. On va la faire en 9. Mon dieu, 18. 18, ça fait beaucoup, quand même. Voyons voir ce qu'ils sont. La 1, c'est la place principale. Le 2, c'est vert. Il y a une boutique. Ok. On va la faire en 9, tranquillement. Trou de départ 1. Configuration du parcours, amateur. Ah, mais on peut changer le... C'est nouveau, ça, je ne savais pas. Ou alors, j'avais jamais fait gaffe. Ah ouais. Bon, d'accord. Vitesse du... On va rester en amateur, hein. On va voir ce que ça donne. Vu ce qu'il y a au sol, va falloir se déplacer. Ou c'est la balle qui va prendre du boost. Attention. Alors, il est tout droit, il y a un léger vent, mais ça va. Oh mon dieu, je crois qu'il y a des effets sur le terrain. Ah, il y a tous les lampadaires, tous les panneaux et tout. Hein. Ah, j'ai pris le boost. Ouais, donc c'est bien pour la balle. Allez. Raté. Allez. Oh, dommage. Poteau. Et je sors carrément du truc, quoi. Et les autres, ils applaudissent ma balle. Sérieux. Ah, je suis déçu, là. Ok. Yes. Ils sont en 3, moi en 4. Ok, c'est en plein milieu du croisement. Normalement, ça devrait... Ah non, pas assez fort, je pensais. Ah, quoique, avec le rebond. Non, c'est intéressant, en fait, avec le rebond du trottoir, là. Il est rigolo, ce parcours. Ça change. Eh bien. Les mouvements, c'est capricieux, quand même. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment capricieux. On va voir. Ah, punaise, je vais me prendre l'angle. Oh, merci le mur. Il m'a fait rebondir, ça va. Par contre, ça, ouais, je recule un peu quand même là. 7 mètres, c'est beaucoup. Trop fort. Ah, quoique. Stop, 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 la balle, stop. Eh non, ça sort du green. Rocher. Ouais, enfin, c'est plus du goudron, hein, mais bon. Tac, non, tac, eh ben, j'arrive pas. Eh ben, trop fort. Pardon, je l'ai mis. Alors là, ça ne peut rien y comprendre, vraiment. Trou numéro 4. Ah, c'est sur la place. Mais les trous, ils sont pas si loin, en fait. 42 mètres. J'y arrive pas. J'ai l'impression qu'ils ont redesign la ville, quand même. J'ai l'impression qu'elle est plus... Il y a des designs de plus... De... Oh,
Il y a plus de qualité, j'ai l'impression, par rapport à Mario Odyssey. Pour ceux qui ont joué, si vous voulez le dire, allez-y. Ouais, les trous, ils sont vraiment proches en vrai. Attention. Attention. Oh non, le taxi. Mais il y a une barrière là, la balle elle va passer en dessous. Apparemment, elle va passer au-dessus. Bon. Trop fort. Il est rigolo ce parcours. Voilà, ça c'est fait. Bah on est de nouveau sur la place là. Non, c'est pas la même. Attendez, c'est la même ou pas? Bah si, c'est la même. Attention. Bah c'est juste que le départ est différent. Bon, soit. C'est bizarre, mais soit. Ah, punaise. Aïe. C'est dommage. J'ai pris le mât ou le... Oui, ça c'est le mât que j'ai pris. Punaise, j'y arrive pas. C'est quand ça veut, hein, vraiment, ce truc. Les 9 trous sont déjà passés, là? Ah non, c'est parce que c'est 6. Mais j'ai pas... J'ai mis 6 trous? Ou alors les 9 sont déjà passés. Bon, ça a été rapide. Je fais juste un point retour son, parce que du coup, il y a un truc qui me turlupine, je vais juste voir. On va blablater ensemble au passage. Je sais pas si... parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un souffle ou quelque chose comme ça, j'en sais rien du tout. Eh bien. Test. Je sais pas si c'est bon. Il y a un léger souffle, mais normalement, c'est supportable. Alors, ensuite. On va faire du mode en ligne. Oui, en ligne. En espérant tomber sur New Donk City. Ou alors, je crée la partie, et comme ça, c'est forcément New Donk City. En mouvement, par contre. Mais je sais pas si les joueurs en face... seront tous aussi en mouvement ou pas, en fait? C'est une bonne question, ça. Je sais pas du tout. En vrai. Chercher un groupe créé. Non, on va le créer. Sans code d'accès, sans restriction. Golf, golf standard. 4 joueurs. Pas de mi. En match play. Oui. En simultané. 9 trous. Entrer le nom du groupe. Je sais pas, j'ai marqué il va ça, on a écouté. Après tout. Tac. Tac. Tac, plus. Est-ce que je peux choisir le terrain ou pas? Je m'en souviens plus. Je ne sais plus du tout. Inviter un ami, non. Enfin, s'il y a des gens qui ont le jeu et qui veulent rejoindre, il n'y a pas de souci. Ah, je choisis pas le terrain de suite. D'accord. Salut Wedios. Jouer debout. Ben oui, oui, oui. Ben c'est le but des mouvements, en fait. C'est le but de faire des mouvements. Donc on va voir. Je sais pas si... Non, normalement, il y a tout le monde, là. Ou alors, je rejoins un groupe déjà tout fait. Je sais pas. En vrai, je sais pas du tout. Tac. Normalement, j'ai réparé le chat aussi hier, il était tout cassé. Je l'ai un peu réparé, enfin en tout cas sur la moitié des scènes, et l'autre moitié ça fonctionne pas tout à fait.
Donc il n'y a pas grand monde. Hein. Bon, on va voir si on trouve directement quelqu'un alors. Chercher un groupe. Selon ses règles, ouais, peu importe. Aucun groupe trouvé. Comment ça fonctionne le truc déjà? Peu importe. Y'a plus personne qui joue à Mario Golf, sérieux? Critères actualisés. Non, sérieux. Non, il doit y avoir un souci réseau, c'est pas normal qu'il y ait personne dans le monde qui joue à Mario Golf. Ça me paraît bizarre quand même. Le t-shirt voulu pour le stream? Non, même pas, c'est pas fait exprès. Non, le Yoshi, c'est pas fait exprès du tout. En vrai, hein. Mais pas du tout. On va quand même pas jouer en classé, je vais me faire démonter. Il va falloir jouer en classé, j'ai l'impression. Sinon, j'aurais sur des bottes, tant pis, c'est pas grave. Hein. Moi, ça me gêne pas. Hein. L'idée d'aujourd'hui, c'était vraiment de jouer avec les mouvements, de toute façon. On va prendre Toadette. Standard. Deux minutes d'attente. Bon. Bah, en espérant qu'il y ait des gens, hein. Sur Bois Tempête en plus, punaise, c'est le pire parcours. Le pire parcours, quoi. On va voir, hein, mais bon. Vraiment le pire. J'aime vraiment pas Bois Tempête. Entre la pluie, le vent, les orages, les marées, les plantes piranhas longues, c'est vraiment un parcours hyper difficile. Je trouve même plus difficile que le parcours... du mont Névé, le dernier parcours avant le boss. Parce qu'il y a un mode histoire, hein, quand même. On va voir. Oh punaise, c'est un stroke play, j'ai pas fait gaffe. Oh là là, ça va être difficile, ça. Y a plus personne qui joue à Mario Golf, sérieusement. Vous imaginez si je peux monter en classé juste parce qu'il n'y a personne et du coup c'est attendre que le temps s'écoule et que ça fasse monter en classé? Je pense pas, mais on va voir. J'ai jamais joué en classé encore. Match classé septembre 2021. Ah oui, d'accord, donc c'est réunit tous les mois en fait. Ok. Il y a un petit poussin pour dire c'est quoi ça, c'est bronze ou cuivre, quelque chose comme ça. Il y a un petit poussin dans sa coquille, c'est mignon. Stream jusqu'à quelle heure? J'en sais rien, mais pas longtemps, hein. Je vais pas jouer jusqu'à ce soir. Donc je dirais 15h15, 15h30, quelque chose comme ça. Pas plus, vraiment pas plus. Attention, le temps qui s'écoule. Oh punaise, j'ai joué contre des ordis. D'accord, c'est du classé, mais contre les ordis. Eh ben, j'ai intérêt à être bon, hein, si je perds contre les ordis. Accumuler des points de match pour faire augmenter votre rang. Ouais, bon, après ça, c'est comme tous les classés en ligne, peu importe les jeux, quoi. J'aurais dû acheter un club de golf, un vrai, juste pour illustrer le stream. Mais ça doit coûter hyper cher. Je sais pas combien ça coûte, un club de golf, en vrai. Ça doit coûter une blinde. Allez. J'y arrive pas. Allez, le rebond, le bon. Ah punaise, il y avait une petite pente. C'est dommage ça. On va rester comme ça. Ah punaise, les feuillages de l'arbre, sérieux. Ah mais... Ah, il y a l'angle... Mais c'est hyper difficile avec les mouvements en fait.
Raté. Oh! Mais cette malchance! Ben normalement, les golfeurs, ils sont comme ça en vrai. Comme ça. Comme ça. Non, mais. Faites-moi penser de jamais jouer au golf dans la vraie vie. Hein. J'ai déjà fait du mini-golf. Mais bon, c'est du mini-golf, quoi. Mais du vrai golf, j'en ai jamais. Mais sérieux? Il disait quoi sur perdre contre les ordis? On se tait. On se tait. Et alors, question comme ça, le son est bon en termes de voix? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'il n'y a pas trop de fritures? Est-ce que ça vous choque par rapport à d'habitude? Alors d'habitude, avant que ça grésille lors de la rentrée, bien sûr. Pas de problème? Ah, nickel. C'est un micro-cravate aujourd'hui. Hein. Enfin, je pense que vous en doutez. Il est où le... Oh punaise, il y a un virage. Alors là, à fond. Je sais pas du tout combien de temps va durer la batterie du micro d'ailleurs, vu que c'est sa batterie. Je sais pas, c'est écrit ou pas? Je dirais une heure ou deux. En vrai. Faudra pas faire des longs streams en mode micro-cravate. Hein. Il y a un souffle, mais pas si gênant. Je suis sensible, alors c'est que ça va. Ok. Ouais, le souffle, je sais pas trop d'où ça peut venir. Enfin, en vrai. Si, j'ai peut-être une idée, mais. Mais je vais pas pouvoir le réparer en fait. Oh! Oh! Ça, c'est un joli tir. Ça, c'est du pro gamer, ça. Ça, c'est magnifique. Attention. J'ai pas regardé combien il y avait de trous. 9, je crois. On va plutôt viser là-bas. Comment? Ils ont tenté à travers les arbres là? Mais je vais prendre l'arbre moi. Ah non, ça passe. J'ai rien dit. Il est à combien? 93 mètres. J'ai pas fait assez fort. Là, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Ah! Mais c'est pas possible! C'est pas assez fort. Hein. Et là c'est trop fort, mais je comprends plus la puissance ou pas moi. Je suis sûr qu'en fait c'est l'algorithme, c'est totalement random et c'est pas un vrai tir. C'est juste une excuse de mauvais joueur. Hein. C'est une blague. Je tire doucement pourtant. Chip réussi. Au secours. Quatrième. Tu m'étonnes. Ah oui, il est quatrième et de loin en plus. Hein. Envoyé.
Ah, je gagne quand même des points. Ah, ils sont gentils. 201e mondial. Mondial ? C'est pas possible. Je veux bien que la saison ait commencé le 1er septembre. On est le 3 septembre. En 2 jours et demi, ça me paraît... Enfin, ça veut dire qu'il n'y a vraiment plus personne qui joue à Mario Golf, quoi. Ça me paraît bizarre. Faudrait que je rejoue à Mario Tennis pour voir. Ouais, je pourrais faire du Mario Tennis avec les mouvements. C'est pire. Le Mario Tennis avec les mouvements, c'est pire. Je vous le dis de suite. GG les ordi, je te déteste. Plus personne y joue. Ouais, mais ça m'étonne parce que à sa sortie, il y avait quand même énormément de monde. Encore plus de monde que sur Mario Tennis quand Mario Tennis était sorti. Donc ça me paraît vraiment bizarre. Mais en vrai, je pourrais faire du Mario Tennis. Juste pour jouer avec des mouvements aussi. J'ai quoi en jeu avec des mouvements? J'ai Mario Golf, Mario Tennis, Ring Fit, mais bon, ça va être un petit rendez-vous régulier. À partir de demain, j'ai du Just Dance, mais on va éviter pour des questions de droits musicaux. Et au pire, je suis très nul sur ça. Et en vrai, je suis pas contre le ridicule, mais j'ai mes limites. Donc me ridiculiser sur Mario Golf, sur Ring Fit, je m'en fiche. Mais sur Just Dance, on va éviter. Je vais tenter du speed golf juste pour savoir comment ça fonctionne exactement avec les mouvements. C'est pas le même truc. Il me déteste. Ah ben, il y a certains propos, oui, je les cautionne pas. Vu qu'il reste 2 minutes de recherche, je vais à la boîte aux lettres. J'ai entendu le facteur passer, peut-être que vous l'avez entendu à micro. Donc le temps que ça recherche, j'y vais. Au pire, vous entendrez ma boîte aux lettres. Je reviens. Et au pire, je peux peut-être discuter avec vous encore parce qu'en fait, le réseau, ça fonctionne. Donc là, par exemple, vous voyez, pas du tout, mais j'ouvre ma porte. Voilà, ça, c'était ma porte. Là, je suis dans les parties communes. Je ne sais pas si vous m'entendez. Au pire, ça a coupé, c'est pas grave. Ça, c'était la boîte à lettres. Là, je rentre chez moi. Hop là, c'est magique, c'est magnifique. Vous m'entendez pas trop. Je referme la porte. Tac, ça, c'était la clé. C'est magique, hein. Hop là, et voilà. Là, il va SMR boîte aux lettres. Voilà, et je me suis présenté pas longtemps, mince. Du coup, j'avais rien dans la boîte aux lettres. Je suis déçu. J'ai le réflexe d'aller vérifier tous les jours ma boîte aux lettres. Et 90% du temps, il n'y a rien dedans. Je suis vraiment déçu. Les gens, ils savent plus envoyer des courriers. Ils savent plus envoyer des cartes postales. C'est dommage. Les seuls courriers que je reçois, c'est des factures, s'il vous plaît. Et encore moins qu'avant, parce que maintenant, elles sont dématérialisées par mail. Enfin bon, là, j'essaye juste de meubler, en fait. Là, il va SMR boîte aux lettres. Ouais. Voilà. Et là, je reçois un colis. Et du coup, je suis obligé d'aller chercher le collier à l'entrée du bâtiment. Mais comme j'ai le micro et tout, vous entendrez toute la discussion avec le livreur. Parce que j'aurai la flemme de mute. Ça serait drôle, en vrai. Manquerait pas plus qu'on voisin engage la conversation et pas parfait pour un live voisinage, j'avoue. C'est pas bon pour la planète, beaucoup d'organismes passent par mail maintenant. Je suis à moitié d'accord. Alors oui, bien sûr, beaucoup de monde, bah tiens, des ordi, passe de plus en plus par le dématérialisé, ça oui. Mais par contre, tout garder en stock dans ces mails, en vrai, vu tous les serveurs, etc., il me semble avoir déjà entendu que les mails, au final, pollue plus que de recevoir une carte postale chez soi, par exemple. Ou une facture chez soi, ou quelque chose comme ça. Surtout que maintenant, la Poste, tous leurs véhicules sont électriques ou à vélo, et ils font plus de tout ça. Il n'y a que les transporteurs qui sont encore avec les camions, mais c'est parce qu'ils sont sur de longues distances. Allez, on repart sur du golf. Il est où le truc? Au fond, là-bas? Allez, il va falloir y aller. Oh mon Dieu, il y a un bunker en plein milieu. Il va falloir y aller très fort. Ah mais il faut que je me déplace en plus. Comment je fais pour aller vite? Je sais pas comment on fait pour aller vite du coup. Ah, faut juste que je secoue le Joy-Con. Ah, c'est rigolo ça. Ok. Ah punaise, c'est avec du temps. Oh, faut que je me dépêche en fait. Allez Toadette. Stop, demi-tour, demi-tour. J'ai lancé un mouton. Allez, allez,
Oh là là, on dirait qu'elle est bourrée quoi. Ça passe? Non, ça passe à côté. Bon, j'ai l'impression qu'elle bouge toute seule quand même. Mais c'est pourquoi je prends le mât? Pourquoi? Voilà. Double bogey. Oh mon dieu, j'ai mis 6 coups. J'ai perdu 3 minutes. Au secours, quoi. Ça fait presque un indien dans la ville, quoi. Mimi 6 coups. Pour ceux qui ont la ref, Mimi 6 coups, Mimi 6 coups. Cinéma français, bien sûr. Attention. On va viser par là. Allez, Toadette, cours. Ah mais non, mais elle lance des navets. Poussez-vous. Ah ça y est, elle a plus d'énergie. Allez, je suis dans le bunker. Oh là là. Au secours, quoi. Au secours. Allez. Allez, Toadette, allez. C'est en pente. Hein. Bah, elle est où la balle? Ça va pas tirer? Qu'est-ce que c'est que ce... Quoi? D'accord, en fait j'ai tapé dans la barrière, quoi. Sans même m'en rendre compte. La barrière qui bloque, ouais. Allez Toadette. Bon, je pense que j'ai perdu. Petit coup. Ah, voilà. C'est même encore ça, c'est même un poil trop fort, quoi. Ah là là. Ben, je suis dernier. Ah là c'est tout droit. Attention. Aïe. Pardon le mouton. Pardon le mouton. En fait, ça sert à rien que je secoue trop fort le Joy-Con. J'ai juste à secouer, puis c'est tout. Il y a l'arbre en plein milieu. Hein. Oh punaise. Ah, c'est passé. Je suis passé à côté de l'arbre. Oh punaise, j'ai dépassé. Je suis sorti du green. Petit coup. Trop petit coup. Il est là trop fort. Et à côté, mais j'en peux plus, hein. Non. Ah. Dommage.
Au secours. Bah oui, dernier, oui. C'est Bowser Jr. le premier. C'est fini ? Eh ben, c'est pas ouf, hein, en vrai. Trente-septième ? Ouais, d'accord, il n'y a plus personne qui joue, en fait. Très dur, ce mode, surtout avec, là, de loin, je vois rien. Avec la course. Ouais, ouais, je suis d'accord. Bon, on va revenir en mode tranquille, pépère. Toujours avec des mouvements, bien sûr. Mais on va y aller en match libre. Ah, ça y est, je suis revenu au menu principal. Ok. Match libre. Attendez, il y a peut-être... Est-ce qu'il y a du nouveau dans l'aventure ou pas? En vrai. L'aventure va reprendre... Ah non, mais non, je veux pas, en fait. Je veux pas. J'ai dit je veux pas. Je pensais qu'il y aurait eu une zone en plus ou quelque chose. Eh bien. Ah, punaise, faut mettre les deux. Ça aussi, quoi, en fonction des jeux Nintendo, des fois ils te disent prenez la manette, prenez un Joy-Con, prenez les deux Joy-Con, mettez-le à l'horizontale, mettez-le à la verticale. Ça c'est hyper, hyper chiant quoi. Alors vu que je n'entends pas les notifications, mais je vois certaines choses. Merci Wedgios pour ton abonnement, c'est gentil. Avec plein de pouettes. Merci beaucoup. Bon alors, menu. Principal. Oui. Ah! En standard? Ouais, allez, en standard. Mouvement, une manette. Et là, je repose l'autre Joy-Con qui m'aura servi à rien. Ouais, en stroke, en simultané par contre. Avec plein d'ordi. Je vais prendre. Bah tiens, on va prendre Pauline parce qu'après tout, New Donk City c'est sa ville. Si je peux reprendre New Donk City. Et les autres en aléatoire, je m'en fiche. New Donk City. On va faire du 18 trous. On va voir comment ça se passe. Plein de poètes, c'est ça. Bah oui, il est marqué poète, 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 ça fait plein de poètes. Allez. C'est un peu bizarre de jouer debout et même de se lier debout, je vous le dis. Mais bon. Alors regardez sa position, sinon. Alors elle est comme ça. Elle est comme ça. C'est très bizarre comme position. J'aime pas du tout. Il est content, il a fini son truc. Trois coups. Trois coups. Un par. Oh punaise, DK il a fait en deux. Oh là là. Donkey Kong il est bon en fait. Allez. Attention. Je vais me prendre tous les lampadaires quoi. Et réverbères, il y a des deux là, il y a des lampadaires et des réverbères. Allez, Pauline! Pas assez fort? Mais c'est quoi ce rebond nul? C'était quoi ce rebond nul là? C'est comme si quelqu'un avait poussé la balle.
Sérieusement? Sérieusement? Vous voulez pas mettre la balle à l'extérieur aussi? Je me demande ce que ça fait ça d'ailleurs. Allez! Obligé de passer par là-bas quoi. C'est quoi ce parcours? Il est super dur. Allez, le petit rebond. Hop là, on casse la fenêtre au passage. Mais on est sur le... Eh non, on n'est pas sur le green. Hein. Rocher, c'est du goudron, c'est pas du rocher. Voilà, on se rapproche. Double bogey. Dans l'impasse. Attention. Non, le mur. Mais non. Sur le passage piéton. Allez, génial. C'est hyper difficile. C'est rigolo, bien sûr. Enfin, c'est des petits jeux d'ambiance sympas. Mais Nintendo, ils sont pas réputés pour faire des vrais jeux de simulation. À part pour la mémoire avec Kawashima et Cerebral Academy, mais sinon le reste en simulation, Nintendo, c'est pas leur fort. Hein. Attention. Mais... Ah mais j'ai changé le... Oh quoi que... J'ai changé le club sans faire exprès. Tu m'étonnes que j'ai fait n'importe quoi. Ouf, petit coup. Oh, pas mal. Je suis à quoi? 50 cm. Ouf. Voilà. Petit coup. Petit coup. Je vais prendre le taxi encore. Aïe. Sur le taxi, rebond. Parce que souvenez-vous que dans Mario Odyssey, les taxis faisaient rebondir. S'il y a un truc que je regrette de Mario Odyssey, souvenez-vous, ça remonte à quelques temps maintenant, même à quelques années. C'était Yakipon qui avait streamé Mario Odyssey sur Ivasand. Cette aventure était juste géniale. Et il n'y a aucune rediff, aucune VOD, parce que bah, à ce moment-là, on n'avait pas les 60 jours de VOD Twitch et on avait oublié de les télécharger, et donc on n'a pas pu les mettre sur YouTube. Et ça m'embête, mais à un point, vous ne pouvez pas imaginer, parce que c'était une super aventure. À moi, c'était génial. Ce que Yakipon avait fait à ce moment-là, c'était juste génial. Du coup, j'ai presque envie que quelqu'un le restream, mais ça m'embêterait quoi. Ou alors, faudrait demander à Yakipon de le restreamer, mais enfin, il a déjà fait. Et, je crois, il est un peu comme moi, je pense, pour ça, il n'a pas forcément envie de refaire un jeu qu'il a déjà fait quoi. Mais c'est dommage, en vrai. Mario Odyssey, en plus, c'est un de mes Mario préférés. J'avais fait moi de mon côté en solo. Comment j'ai pu mettre la balle là? Il s'est passé quoi? J'ai pas compris le coup, j'ai pris le drapeau du mât? Sérieux? J'ai pas compris ce qui s'est passé là, mais bon. Bombe fumée, je disparais dans les ombres, bonne chance contre les ordis. Merci. Bon après-midi à toi. Ah, de nuit. Sérieusement, sur les échafaudages? Au secours.
Ça passera pas. Non. Bon, ça va. J'ai cru qu'elle allait sortir. Mais ce tir n'a servi à rien. Reste là, la balle. Reste là, reste là. Ouh. Allez, ça c'est fait. Ah mais je suis premier. Ok, très bien, parfait. Attention. Là on est à... Ok, on est sur les échafaudages, je crois qu'il est dans la ville. Normalement ça passe. J'ai pas fait gaffe au vent, punaise. J'ai pris le trottoir, ça m'a recentré, mais bon. Trop fort. Beaucoup trop fort. Bah oui, évidemment. Ah, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal du tout. Voilà. Ok. Attention. C'est un bon tir ça, non? En vrai. C'est possible. Franchement, en deux, c'est possible. Qu'est-ce que j'avais dit? En deux, c'est possible. Et je reste premier. Oh punaise. Ah oui, d'accord, donc en fait, sur le parcours en courant, on peut sauter. Ça doit être sympa à faire celui-là en courant. Ça passe ou pas? Ça passe. Je sais pas comment j'ai fait pour passer entre l'échafaudage et le truc suspendu en vrai. Nickel. Franchement, nickel. Là, va pas falloir se planter. Hein. Attention. Ça passe ou pas? Si, c'est bon. Oh non. Bon, ça va. Je pensais que ça allait être derrière. C'est un peu permissif quand même ici. Hein. Oh, j'ai frôlé le truc. Sérieux? C'est dommage ça. Pouf. Bon là, faut pouvoir tirer un peu en hauteur. Pas trop fort. J'ai dit pas trop fort. Non! Non, pas ça! Je donne la pénalité, ça veut dire que je remonte ou pas? Yes, c'est bon, ça va. Ouf, heureusement. Chip réussi. Ça, ça, faut m'expliquer comment j'ai fait ça. Je pense que j'ai pris le drapeau qui flotte, mais j'en suis pas sûr. Ben, on est juste à côté du trou. Quel intérêt? C'est du golf, pas du mini-golf. Ah, d'accord, faut quand même tirer un peu fort. Hein. Ok, je me suis fait avoir. J'ai sous-estimé le truc.
Et là, j'ai surestimé. Mais c'est pas grave, c'est quand même sur le green, c'est pas mal, en vrai. Donc bon. Pouf. Oh non! Je suis déçu. Voilà. Bogey. Allez, trou 14. Oh punaise, la hauteur. Ah mais ça fonctionne sur la balle. Le rebond fonctionne sur la balle. Mais du coup je me retrouve... Ok, d'accord. Le parcours est vraiment sympa, mais il est piégeux. Il y a des trous plus difficiles que d'autres. Allez. Mais non, mais j'étais déjà à côté du green. Qu'est-ce que je fais? Allez, de nouveau la pénalité. C'est gratuit. Voilà. Punaise. Pouf. Pouf. Voilà. Triple bogey. Attention. Il faut atterrir pile poil là. Ah non, il est juste en dessous. Punaise, je croyais que c'était le toit encore plus en face. D'accord. Et en même temps, j'ai pas tiré si fort que ça. Bon, c'est bon la balle, elle a fini. Quand même. Ok, là faut pas se tromper non plus. Aïe 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 aïe. Oh non. Non. Et je reste là. Mais comment voulez-vous que je rattrape ça moi? C'est impossible. Et voilà. Je pense que je vais la jouer à l'extérieur, me mettre dans une zone à pénalité. Comme ça au moins. Allez, cadeau. Tac. Peut-être qu'avec de la chance. Eh B, quand tu veux. Peut-être qu'avec de la chance, ça me remettra sur le bon toit. Eh oui. Ah. Comme quoi. Voilà. Bon là par contre j'ai perdu énormément de points. Je suis pas sûr de rester premier du coup. Oh là là, la hauteur du truc. Attention. Daryl est passé. Bowser a réussi. Ils l'ont tous passé. Ah oui, ça passe. Non! Non, 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 non! Ah, ce rebond nul! Bon, c'est pas grave. Normalement, je suis quand même sur le toit, mais... Oh, punaise! Punaise! Ah oui, et là, je tire n'importe comment, quoi. Je suis sur les greens? Non.
Ah là là, c'est la panique de fin de parcours. C'est n'importe quoi. Plus 9, le bogey. Je crois que je suis passé dernier à cause du trou foireux. Au secours. Ah ouais, il va être sympa ce parcours là. Attention. Attendez, je vais regarder comment eux tirent. Ok, ils prennent pas le truc. Ça passe. Yes. C'est pas mal ça. Même le monsieur il le dit. Voilà. En deux. Parfait. Du coup, classement final. Qu'est-ce que ça va donner? Je suis dernier. À cause du trou foireux, je suis dernier, je suis dégoûté. Oh punaise. Je suis dégoûté. C'est le trou numéro combien qui m'a mis dans la panade? Le 16. Ouais, le 14 et le 16, ils m'ont mis dans la panade. C'est vraiment le 14 et le 16. Parce qu'après, tout le reste, ça allait en vrai. Mais le 14 et le 16, au secours, quoi. Et Bowser, à la fin, il a fait un trou en un. Mais quel chanceux, celui-là. Oh là là. Alors, choix du parcours. On va faire un dernier parcours. Sur New Donk City. En du... 18 trous, pardon. Trou 1. Par contre, on va le faire en professionnel, c'est-à-dire en difficile. Ça va être une catastrophe, mais c'est pas grave. Ça va être rigolo quand même. Et après, je m'arrêterai là. Donc, on fait les 18 trous et après, je m'arrête. Donc, oui, petit stream hein, de cet après-midi. Attention. Et ensuite, après, je vous retrouverai demain matin. J'espère. J'appréhende. Ça devrait aller, je pense. Ah, légèrement sur la gauche, je sais plus, je confonds ma droite et ma gauche, ça y est. J'ai... La balle a traversé le monsieur ou pas? J'ai un doute là quand même. Hein. Ah, à côté. Non, sors pas la balle, sors pas. Elle est sortie. Punaise. Trop fort. J'ai tapé le mât. Comment ça se fait que je touche autant le mât avec les mouvements alors que je ne l'ai pas fait à la manette quoi. Non. Sérieux. C'est dégueulasse. Pouf, voilà. Au secours. Triple bogey. Je suis dernier. Hein. Trou 1, dernier, c'est pas grave. C'est pas facile de jouer debout, je vous le dis. Le petit rebond, please. Petit rebond. Ah, d'accord. Ouais, non, je pensais pas du tout à un rebond comme ça en fait. Ça m'embête un peu. Non! Mais le jeu, il est contre moi en fait. Hein. Ouf! Hop là! Où est la balle? Je la vois pas. Ok. Non! Voilà. Double bogey. Oui, le trou. Oh punaise, il est de l'autre côté du bâtiment. On va faire attention. Dommage. Ouais. Je suis d'accord.
Là, il y a la borne incendie qui va troll, non, c'est bon. Trop fort. Ah, quoique. Non, c'est pas trop fort en fait. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Yes. Quand même à plus 5 hein, en vrai. Je suis quand même à plus 5. Il y a le trou, il est entre les deux trucs. Ça passe ou pas? Sur les greens? Non, il y a le réverbère qui me gêne. Ok. Je vois absolument rien parce que je suis sur le réverbère. Oh, j'ai frôlé le truc. J'ai frôlé le trou, quoi. Oh, je suis deg. Voilà. Okay. Attention. Je vais essayer de jouer avec le rebond. Un poil trop fort, même beaucoup trop fort en fait. C'est bon ça? Et là c'est pas assez fort. J'arrive pas à doser, j'arrive vraiment pas à doser. Oh punaise. Attention. Ça va être horrible ça. Pour l'instant, je suis dernier. Est-ce que je suis sur la zone ou pas? Ah, il est gentil le jeu. Je suis tellement nul qu'il me met proche du truc. Pouf. Yeah. Oh, j'allais dire yes, mais en fait, non. Ah là là. C'est vraiment pas simple. Je vous le dis de suite. Jouer debout avec cette position-là, j'ai un peu de mal. J'ai la hanche droite qui me tire pas mal. Bon, en même temps, j'ai toujours un souci à ce niveau-là. Et étrangement, c'est le haut du dos où j'ai mal. Et en général, j'ai tout le temps mal au bas du dos. Mais là, c'est le haut du dos qui travaille. Bon, c'est bien, ça fait faire des choses, mais ça va être intéressant du coup le samedi matin sur Ring Fit Adventure. On va voir ce qu'on va faire. Ça va piquer surtout, ouais. Ouais, ouais, clairement. Mais ça sera pas des streams de 2 heures. Hein. Ce sera 1 heure. Hein. 1 heure d'exercice avec du blabla. Ah, dommage, à côté. Trop fort. Mais je l'ai mis quand même, sérieux. Des fois, je comprends pas comment je fais. Je suis dernier toujours. Attention. Il va falloir faire en sorte de ne pas se prendre la brique juste en face. Ah,
Et bien sûr, je la prends parce que c'est... Non, c'est pas drôle. La chance du rebond sur le plot. Ouais, complètement. Joli rebond, en vrai. Oh mais ça aussi, je tire pas très fort, j'arrive quand même à dévier la balle. Sérieux quoi. Au secours, c'est juste au secours. Le trou est en dessous, on est d'accord. Ok. Stop la balle, stop, arrête-toi la balle. Stop, 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 stop. Elle sort du green. Elle est vilaine. Non, ça l'a frôlé. Je suis dégoûté. Voilà. Allez, c'est la moitié. Il en reste encore 9. Mais elle, elle joue avec une baguette magique. Elle triche. Elle tient même pas le club. C'est la baguette magique qui fait tout. C'est du cheat, madame. C'est honteux. Je trouve juste des excuses parce que je perds, bien sûr. Attention. Bien joué, merci. C'est surtout une flemmarde, j'avoue. Voilà, et encore une fois, je touche le mât, quoi. Mais comment c'est possible ça? Elle court pas, elle vole, elle tient pas son club, elle utilise sa baguette. Ouais, ouais, complètement. C'est pour ça qu'elle triche. Oh punaise, il est en hauteur. Il est en hauteur. Trop fort. Non, je prends l'arbre. Mais... je suis sur le toit d'immeuble quand même, hein. Allez. Trop fort. Non, trop fort. C'est pas grave. Zone à pénalité, c'est pas grave. Je suis quand même aux côtés. Ah non, pas tant que ça en vrai. Heureusement qu'il y avait la petite pente. Voilà. Okay. Ça pareil, attention. Il va falloir viser bien comme il faut. Parce que l'angle là, il est méchant. Et le trou est loin en plus. Bon, ça passe. Rebond. Voilà. Je suis pas sur le green. C'est dommage ça.
fort. Ah non. Oh, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe pas. Mais par contre, mon score est nul. Score hyper nul. Attention. Oh non, ça va être encore dehors. Et ouais. Ah oui, bien sûr. J'ai qu'à ne pas taper la balle aussi, c'est pareil, parce que pour 2 mètres, autant ne pas la taper. Voilà. Mais... C'est passé dessus. C'est passé dessus. Triple bogey. Allez, plus que 4. Il est où? Attention. Sur le toit du machin là-haut. Attendez, non, il y a la flèche, ça indique que c'est en bas. Oh punaise, c'est de l'autre côté du bâtiment. Ah, mais c'est quand même sur un toit. Ah, c'est vicieux ça. Et moi, je tombe parce que c'est pas drôle. Ils sont tous passés, pas moi. Punaise. Donc là, il est juste en bas, faut faire gaffe. Voilà. Attention. Là, il est en bas aussi. Mais je crois qu'il est sur les échafaudages, là, non? Je suis pas sûr. Ah non, c'est un toit. Bon, ça va, j'ai eu peur. Non, je passe devant. Ce parcours est affreux. Hein. En vrai, je l'aime beaucoup. Il est super original. Il y a plein de mécaniques. Mais il est affreux, le parcours. Je pense qu'à la manette, il serait plus intéressant pour moi. Mais aujourd'hui, j'avais dit les mouvements. Je me maintiens à ce que je dis. Je n'ai qu'une parole. Mais je pense pas en refaire de sitôt en vrai. Et voilà. Okay. Je suis dernier quoi. Allez, avant-dernier trou, d'ailleurs le trou il est là-haut, tout là-haut. Ça passe? Oh punaise, c'est passé. Reste sur le grid! Et non. Et non. Voilà. Joli pas. Ils ont mis un départ avec un truc, une plateforme flottante quoi. Et ils ont rajouté cette plateforme là aussi. Ça y est pas normalement dans un niveau. Comment ça s'appelle? Dans Mario Odyssey. Normalement attention. Ça y est pas du tout. Mais c'est rigolo. Avec la voile comme le ballon dans Mario Odyssey, c'est quand même une belle référence. Quoi. Ça passe pas. Punaise, ça passe pas et ça passe sur la gauche. Oh, dommage. Dommage. Yes.
Fin de ce lot de 18 trous. Classement final, attention. Je suis dernier, mais ça c'est une évidence. Plus 18 quoi. Plus 18. C'est honteux. Wario. Wario qu'on retrouvera prochainement sur du stream Iva Sound Studio avec WarioWare. Je dirais d'ici 15 jours, je pense que c'est comme ça, un peu moins. Le jeu sort le 10. Ouais, vers aux alentours du 15, je le ferai. Même pas, je regarde les scores en vrai. Bon, voilà, c'est une petite session de Mario Golf. Je voulais vraiment le faire avec des mouvements. Ça change de la manette, en vrai. Ça me permet aussi de préparer le dispositif pour demain et après tous les samedis. Enfin, tous les samedis. Ce sera peut-être pas tous les samedis non plus, faut pas déconner. Mais autour de Ring Fit Adventure. Pour faire un peu de sport et de jeux vidéo en même temps et que moi je fasse aussi plus d'exercices parce qu'en vrai je n'en fais pas assez et je sais que ça commence à se faire ressentir sur mon, enfin, ma santé, mon souffle, etc. C'est pour ça qu'il fait fort, je me bouille, mais vu que je n'ai aucune motivation pour faire du sport, je me dis que faire ça d'une manière un peu plus ludique et en stream pour partager ça, ça peut m'aider et ça peut aussi prouver que les gamers savent se bouger pour prendre soin d'eux, d'eux et d'elle en fait. Voilà. Donc en espérant que ça plaise et que moi je ne décède pas durant un stream. Prochain rendez-vous demain matin, 11h, attention, 11h, sur Ring Fit Adventure. Je vais peut-être modifier 2-3 trucs dans le dispositif, je vais y travailler cet après-midi. Je pourrais peut-être bouger un peu plus la caméra, on va voir, je bougerai peut-être plus le canapé pour que ce soit plus en face là et que j'ai plus d'espace parce que là en fait, vous ne le voyez pas, mais moi je peux pas aller plus loin que là parce qu'il y a, une partie du bureau. On va voir. Côté micro, ça a l'air d'aller apparemment. Je vais peut-être réaugmenter un peu la sensibilité, quelque chose comme ça, voilà. Tac. Côté son du jeu, ça a l'air pas mal et voilà, je vais m'amuser un peu avec Streamlabs cet après-midi pour faire d'autres réglages. Suivez Iva Sound Studio sur tous les réseaux, vous connaissez la chanson. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. Et en plus, ce mois-ci, vous avez 20% sur votre abonnement parce que c'est le September. Donc profitez-en pour soutenir, bah, certes, Iva Sound Studio, mais aussi tous vos vidéastes préférés sur Twitch. Voilà, autant promotion, ça permet de faire, à mon sens, plus de soutenir, plus de streamers aussi. Exactement, Draken, j'allais le dire juste après. Passez une bonne après-midi et je vous dis à demain et si j'y arrive de loin, prenez soin de vous cordialement, bisous.